Voilà, Shalom, voici un petit qui est venu. Explique un peu ta maladie. Bon, quand ça a commencé, il vomissait du sang. Voilà. Non. Ça fait combien de jours là? Une semaine. Il a été totalement guéri ici. Il vomissait du sang. Ils m'ont dit même que le sang recueillait dans un récipient. Beaucoup de sang. Ça s'est arrêté. Parce que si vous voyez sur le YouTube, il a eu sa délivrance. Démoral. On l'a déjà tué en sorcellerie. Tout s'est arrêté. Vous voyez, aujourd'hui, je viens. Il est... Tu manges, toi? Tu vas. Hein? Ça va? Voilà, comment t'appelles? Hein? Voilà, vous voyez cette femme, cette soeur a été totalement délivrée ici sous la puissance du Saint-Esprit. Elle a été délivrée par Jésus-Christ. Aujourd'hui, elle retrouve sa dignité. Elle peut aujourd'hui cuisiner. Elle peut aujourd'hui. Comment tu te sens? Comment tu te sens toi? Je me sens bien, je me sens bien. Regarde la caméra, puis tu parles. Je me sens bien. Avant, il y avait quoi? Avant, il y avait la folie. Oui. Maintenant, ça va. Maintenant, tu peux préparer. Tu es en train d'écraser quoi? C'est dimanche. Quoi? Dimanche. Et c'est quelle sauce? Sauce graine. Hein? Sauce graine. Très bien. C'est la sauce graine. Comme qu'elle est en train de... Pas me poser. Laissez continuer. Voilà. Tu fais combien ici? Tu es dans ici là. J'ai dit sorcier. Duval. Voici un petit que nous avons délivré ici aussi, une fille, par la grâce de Dieu. Il y avait un problème de sorcellerie. Les gens perdent de lui. On dit les délivrons, mais c'est juste. Prenez le cadeau. Et c'est bon, c'est bon. Quand ça m'envoie mon portable, elle coupe. Ils ont fait même. T'as grossi, hein? Là-bas, ici. Il est là maintenant, tu peux cabri. Il a fini et tué de cabri. Tu dis, oui. Tu peux combien de visions de la vie? C'est toi et l'eau là, c'est ton thème. Ça va maintenant, tu te laves. Hein? Mais où t'as laissé? Ah, ils ont... mais il n'a pas d'habit, il fallait me dire. Je vais t'envoyer ça demain. Hein? On t'envoie. Quand on va venir, on va t'envoyer des habits. Ah oui, tes chaussures aussi. On va t'envoyer. Qu'est-ce que tu dois te dire? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Regarde, parle. Hein? Là, c'est les alliés. Qu'est-ce que tu peux dire de la puissance de Dieu? Maintenant, ceux qui sont malades, qu'est-ce que tu peux dire? Ils n'ont qu'à d'abord se donner à Dieu, c'est pas ça? Qu'il se donne à Dieu. Amen. Donc, ici, c'est Peniel. C'est Peniel, un centre de miracles et de délivrance. Vous avez besoin, vous avez un problème spirituel, d'ordre spirituel. Jésus-Christ encore peut vous délivrer. L'Église a le pouvoir. Je communiquais aujourd'hui sur la radio, sur Bandama. Je dis, nous avons le pouvoir, c'est parce que nous jouons avec ça. Nous avons le pouvoir de lier, de délier. Quand quelqu'un, sa conscience, son subconscient a été possédé par des démons, nous avons le pouvoir de délier sa conscience ou son subconscient. Nous avons pour le pouvoir aussi de lier. Voilà, nous avons voulu le lier pour dire, nous empêchons telle chose de rentrer dans une région. Si une église ne fait rien, le banditisme, tout ce qui est bizarre s'installe. Dieu compte sur l'église qui est l'ensemble du corps de Christ pour agir. Maintenant, si l'église ne fait rien, mais Dieu laisse faire. Voilà, vous voyez comment elle cuisine très bien. Voilà, elle est en train de cuisiner. Pour moi, ils ont quoi? Hein? Ça commet des riz. Et pas foutu. Hein? Il y a des moyens de foutu. Voilà, donc, shalom. Que Dieu bénisse.